Nouvelle session pour Globe Fishing. On est parti, là, on va pêcher un petit étang rempli de carpes avec Frédéric Lardon et Michel Champion. L'un pêche au cou, l'autre la carpe en batterie. Alors pour la pêche au cou, voilà, en France, ça subit un engouement monstrueux. Les pêcheurs sont de plus en plus passionnés par cette pêche. Moi, je connais pas du tout. J'ai jamais pratiqué, sauf des petits poissons que je faisais quand j'étais plus jeune. Donc voilà, je vais découvrir ça et on y va. C'est juste ici. Go! Ah, c'est toujours agréable de conduire ces engins de compétition. Bon, c'est parti. Là, il y a Michel qui pêche au cou. On ira le voir plus tard. Et on va voir Fred tout de suite qui est en train de pêcher à la batterie. De façon, pour moi, plus conventionnelle. Quoi qu'il a des petites techniques, je crois, assez modernes et assez marrantes. Salut Fred. Ça roule ? Salut Xavier. Ça va ? Ouais, ça va, il fait bien frais par contre. Hein. Ouais. Je suis bien couvert aujourd'hui. Toi, je sais pas comment tu fais pour tenir en short. Je sais pas, mais comme je. Ouais, moi j'ai un peu le sang chaud aussi. Donc, ouais. Voilà, ça va ? Bah, ça va très bien et toi ? Ouais, moi je suis à la pêche. Donc tout va bien ? Moi, quand je suis à la pêche, tout va bien. Ouais, bon. Quand je suis à la pêche, tout va bien. Quoi. Donc, comme moi. Bon, voilà. T'as fait un petit peu de poisson ce matin ? Ouais, on a fait un petit peu de poisson, ouais. Ouais, on a fait un petit peu de poisson, on en est à 6-7 poissons à peu près, 7 touches, j'ai dû faire 6 poissons je crois. Pas mal. Donc, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on a... Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, c'est comment bien. Tu procèdes là pour pêcher ce genre de petit plan d'eau ? Oh, pff, tu sais, là je fais des pêches un petit... pêche très compliquée ? Non, pas très compliquée. Là, on a opté avec du maïs. J'avais mélangé un petit peu de maïs doux avec du maïs un petit peu dur. Ouais. Et puis j'ai fait deux combinaisons avec deux cannes différentes, avec un tout petit montage flottant, avec un grain de maïs et un autre seul grain au fond, quoi. Ouais, d'accord. Comme il se pratique un petit peu dans la région, donc écoute, ça fonctionne un petit peu. On changera peut-être tout à l'heure en cours de journée un petit peu la méthode de pêche, mais ouais. Mais sinon amorçage un petit peu aux pellets, tu vois, un pellet, okay. Et puis et voilà. Tu pêches l'eau, il y a rien, ça saute. Tu pêches, ouais. Tu pêches à proximité de la bordure là ? Non, bordure d'ici, oui. Bordure face à moi, oui. Je suis à 10 mètres du bord, 12 mètres, 10-12 mètres du bord. Ouais. Donc là elles sont présentes, on les voit qu'elles arrivent là. Donc, bon, mais il y a toujours un petit peu, comme c'est des passages, elles font bien le tour du plan d'eau. Donc du coup, il y a des mamans, elles tournent un petit peu, puis des fois elles se stagnent un petit peu quelques minutes et puis elles repartent. Quoi. C'est assez. Ok. Et t'as mis une canne de droite, alors tu me disais au zig. Le zig, si tu veux, c'est une technique un petit peu qui vient d'outre-Manche, les Anglais, comme je disais. Et ça nous permet justement de pêcher vraiment un tiers de la surface, enfin deux tiers, un tiers. C'est-à-dire d'accord. Qu'en fait, il faut calculer avec un marqueur sondeur ton niveau d'eau. Mm-hmm. Et en fait, après, tu calcules, tu mets un... Tu mets un tiers sous la surface. Voilà, c'est ça. Donc, et le zig, tu peux le mettre vraiment n'importe où sur le plan d'eau ou tu le mets au-dessus de ton amorce, par exemple? Comment tu procèdes ? Alors ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on fait, au niveau de l'amorçage, c'est un peu plus particulier, c'est-à-dire qu'on fait des soupes, ouais. Carrément de la soupe un petit peu. Justement, on fait un petit peu des soupes, quoi, en gros. Pour qu'il y ait de la particule un peu sur toute la surface. Voilà, pour que ça, justement, que ça joue entre le bas. Sur toutes les couches d'eau, ouais. Et toutes les couches d'eau, tout à fait. Okay. Donc, de manière qu'on puisse intercepter tous ces poissons qui viennent en périphérie. Où tu as véhiculé cet amorçage. C'est dingue. Et ça, c'est vraiment un truc. Voilà. Bon, j'ai un ami qui maîtrise tout à fait son zig. C'est même pas un appât naturel, c'est un appât flottant. C'est un appât flottant. C'est de la mousse. J'ai plusieurs petites. Choses, tu vois, donc ça peut être de la mousse de ce diamètre-là. Oui, qu'on met dans les bouillettes pour faire les pop-up. Voilà, tu peux prendre de la mousse jaune avec des petits, tu vois. Soit tu les coupes un petit peu comme ça, ouais. Avec un petit peu de noir pour faire comme une sorte un petit peu d'abeille. Ouais. Jaune et noir par exemple, comme ça. D'accord. Et tu peux jouer avec le contraste, c'est-à-dire un coup blanc. Si tu veux, le poisson, pour lui, voit un point dans l'espace de la comment dirais-je, sous la couche d'eau. Ça y est, on pêche la carpe polaire. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Bon, bah, écoute, c'est intéressant tout ça. On attend le départ là. Ben ouais, ben depuis ça va faire un moment là. Je pense que mon collègue qui est au cou là,
est en train de me doubler là, puisque ce matin c'était bien parti pour moi, mais bon après c'est pas la même pêche non plus, donc il a dû les conditionner dans son amorçage. Mais c'est vrai que à tout moment, ce qui est bien dans cette pêche là, c'est qu'à tout moment tu peux avoir une touche et puis en plus faire la différence avec un beau poisson. C'est encore de sauter juste là. Oui, bah oui, bien sûr. Bon, je te le souhaite en tout cas. On va réamorcer un petit peu, on va essayer de les tenir et puis je vous appellerai tout à l'heure quand il y a une touche. Oui, ça marche. Voilà. Sans problème. Bon, bah écoute, à tout de suite, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Xavier. Ouais. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Bon, ça mord un peu ? Ça commence à mordre un peu, là, ça fait quelques minutes que j'ai amorcé, là, et ça commence à mordre. Bon, là, donc tu pêches juste en bordure ? Bah là, je pêche en bordure parce que, à cette époque, les poissons, ils sont bien au bord. D'accord. Donc, la pêche la plus productive, c'est quand même celle qui est au bord, quoi. Ouais. Ils longent les bordures. Ouais, exactement, ouais. Je vois qu'il y a un élastique qui pond là sur le côté. Moi, j'ai loupé quelques étapes là dans la pêche au clou. Alors là, c'est un élastique, ça s'appelle... C'est un élastique creux, c'est un stripa. Ouais. C'est-à-dire que l'élastique sort de la canne. Moi, je le laisse dépasser parce que quand tu touches des beaux poissons, ça te permet... Le poisson s'en va. Et l'élastique, vu qu'il est retenu par une petite boule, il repasse à l'intérieur de la canne. D'accord. Ça fait que même si tu touches un poisson de 10-12 kilos, bah, tu peux le prendre. D'accord. Tandis qu'autrement, bah, tu ne peux pas. Et puis ce qui est agréable à un stripa, c'est quand tu as un beau poisson... Tiens, touche. Quand tu as un beau poisson, il suffit de déboîter ta canne, comme je vais faire maintenant, là. Voilà, je déboîte. Je tiens toujours comme ça avec le coude, de manière à ne pas casser la canne. Ouais. Et ça, je tire dessus. Et ça ramène mon poisson. Et en même temps que ça ramène avec l'élastique, ça tend l'élastique, tu vois, et le poisson il vient. D'accord, mais ça, c'est beaucoup une autre façon de combattre encore. C'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable. Moi je vois que les femmes qui commencent à pêcher la carpe au cou... Oh elle est belle celle-là. Ils y aiment bien. Hein. Ça va être un joli poisson. Oui, c'est un beau poisson ça. Mais tu vois, il était sûrement harponné, donc redécroché. Et là, ton bas de ligne, tu pêches en combien de centièmes? Là, je pêche en 20 centièmes. Là. En 20 centièmes. Ouais, en direct, avec juste de plomb. C'est quand même light. Voilà, un hameçon sans ardillon de 10. 10. Sans ardillon, de manière à ce que tu les accroches, ça se décroche bien. Pas blesser les poissons. Et on blesse pas les poissons. Ce qui est important, c'est pas blesser les poissons. D'accord. Okay. Voilà, donc tu vois, je remets un petit peu de pâte comme ça. Je touche pas l'eau. Parce que regarde, dès que je touche l'eau, regarde comment ça va faire. Regarde. Tu vois comme ça fait ? Ouais. Tu vois, la pâte, elle se dissout. D'accord. Donc voilà. Alors après, ben, il suffit d'attendre, mais il faut que ça parte franchement. Il ne faut pas ferrer quand il y a une petite touche, il faut que ça parte franchement. D'accord. Et puis voilà. D'accord. Oh, la touche là. Oui, ça y est, c'est parti. Tu vois ? C'est productif. Ah non, mais ça, c'est productif, ça, c'est sûr. Hein. La vache. Bon, on va peut-être bien finir par en ramener une. Et ça fait longtemps que tu pêches la carpe comme ça au cou ? Ça fait 3 ans que je pêche vraiment comme ça. D'accord. Et tu pêchais en batterie avant ou même pas ? Non, je pêchais que au cou, les gardons, les brèmes, tout ça. Mais depuis 3 ans, là, enfin depuis 6 ans, j'ai créé ce lac là. Ouais. Et depuis 3 ans, je m'y suis vraiment mis parce que c'est quand même très agréable. Quoi. Les gens, ils sont sûrs de passer une bonne journée. Ouais. Il y a suffisamment de poissons pour, pour s'amuser. Il y a plus de 4 tonnes de carpes là. D'accord. Le plan d'eau il fait 2 hectares, il y a 4 tonnes de carpes et pratiquement 1 tonne de carassins. Et je vois que tu as des pelés aussi, tu as du maïs doux. Ah bah il y a de tout, hein, micro-pelé, maïs doux, de la pâte, du pain. Ah il y a de belles écailles celle-ci. Non, ça c'est une écaille, ouais. Là c'est une petite lumière. Ouais. Ok, ouais, c'est super. Il a fait un poisson, on va le voir. C'est parti. On va voir Fred, on revient. Ouais. Oui, allô. Bon, il y a encore du poisson là. Ça décolle de partout. Bon, Fred, petite commune. Ah ouais, là, c'est vraiment un pince, tu vois. C'est vraiment un pince, ouais. C'est un poisson de quoi ? Même pas 2 kilos ? Ouah là là, si, même, pas, kilos. Même pas 1 kilo, 1 kilo 2, quoi, tu vois. C'est vraiment des petits poissons, quoi. Bon,
Tu l'as fait à quoi? C'est une des deux cannes de bordure? Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Pris un petit peu avec un petit montage décollé au maïs là, avec un grain de maïs, avec un petit bout de mousse flottant. D'accord. Tu vois, je reste bien dans le côté. Donc voilà quoi. Bon, on va la remettre parce que au bout d'un moment, elle va. Allez, on vient te revoir la prochaine. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc les combats au coup, ça peut durer trois quarts d'heure, une heure sur les très très gros poissons? Ah bah sur un poisson qui fait plus de 10 kilos, ça dure trois quarts d'heure, oui. Trois quarts d'heure de combat, ouais, ok. Sympa. Là, à mon avis, c'est la plus grosse que j'ai vue, que tu as touchée depuis que je suis là. Bon, regarde, je vais te la faire voir. C'est un joli poisson, ça. Mais dans le plan d'eau, les plus gros poissons que tu peux toucher font plus de 10 kilos? Ah, il y a des poissons qui font 20 kilos, là. Qui font 20 kilos. Dans ce plan d'eau? Ouais, ouais. Et jusqu'à quelle taille? On peut dépasser les 20 kilos au coup? En pêchant au coup? Ah ben, le record à la canne, ça doit être 24, je crois. 24 kilos. Ah ouais, je crois que c'est 24 kilos le record à la canne. C'est vrai que ça doit être agréable de combattre comme ça avec une canne, un coup. Non mais je vais te la passer cette canne et tu vas pêcher là, tu vas voir. Oui bah enfin, t'as 5 minutes hein, mais je vais. C'est vrai que j'aimerais bien en faire une comme ça. C'est encore une miroir, j'ai l'impression. Non, c'est une commune, je crois pas. C'est une commune ça. Ouais, c'est une commune. Poisson encore à côté, on y va. On revient, Michel. Alors, c'est reparti? Voilà, c'est reparti, là. Sur celle que tu venais de mettre, sur celle de gauche. Celle que je viens de remettre, là. Tu vois, c'est assez impressionnant, tu vois. D'accord. Il y a des fois, on attend. On attend pas mal de temps. Il y a des fois, tu vois, il suffit de quelques minutes. Ouais. De manière que... Et Michel m'a dit qu'il y avait 20 kilos. Il y a des beaux poissons. C'est vrai qu'il y a des beaux poissons. C'est vrai que tu peux faire quand même un gros fiche. Ah, on peut faire un gros fiche ce matin, hein, tout à fait. Parce que là, je pense qu'elles vont peut-être commencer un petit peu à s'alimenter. Si elles commencent un petit peu à sentir un petit peu le frais comme nous, là. Ouais. Bon, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt, parce que les eaux sont quand même assez chaudes, mais. Non, c'est un peu. Tu vois, c'est bon. Je t'emmène l'épuisette. Ah, je veux bien, ouais. C'est sympa. Ouais. De ce côté-là, ça va t'aider. C'est sympa. Bah, tu sais, tu peux même m'aider. Tu veux que je te l'épuise? Ah mais moi, tu sais, ça ne me dérangerait pas. Bien au contraire. Génial, Xavier. Nickel. Super. Et ben voilà. Impeccable. Allez, on va se la... Allez, on va la mettre dans le tapis. Vas-y, je te laisse passer. Dans le tapis de réception. Je te laisse passer. Super. Ah, super. Merci beaucoup. Hein. Hop. Génial. À toi. À toi que je... Donc là, ici, on pêche sans ardillon. Ouais, donc pratiquement. Puisque là, on est. Donc tu vois, ça, c'est un petit montage qui marche très bien, tu vois. Ouais. C'est légèrement décollé, tu vois, avec un tout petit bout de mousse ici. Et là, tu as un, voire deux ou trois. C'est-à-dire que ce petit bout de mousse me permet justement de lever un petit peu mon hameçon. Ouais. Voilà. Donc voilà. C'est la moindre inspiration. Tout à fait. Voilà. De manière que, tu vois, ça soit relativement libre ici. Brut. On va la faire, mais c'est tout. C'est vrai que. Bon, bah super, impeccable. Bravo. Nickel. C'est cool. C'est ça que c'est bon. Voilà. Tu veux essayer? Bah, volontiers. Viens essayer. Je vais t'accrocher là. Moi, je peux le faire, je vais le faire. Oui, mais je te le fais bien. Voilà. T'appuies bien. Ouais. Après, tu recouvres. Et après, on represse. Et après, tu represses, mais pas trop. Parce que si tu presses de trop, elle va pas se défaire. Ok. Allez. Allez, je vais la poser. Hop. Assis-toi, tu vas voir comment on est bien assis. Allez, c'est une grande première. Bon. Hop. Hop. Vas-y, emboîte-la bien, par contre. Voilà, tourne avec ça. Voilà, comme ça. Faut toujours tourner. D'accord, donc c'était là. Où il y a la feuille jaune là-bas. Voilà, et tu descends progressivement. Tu retiens la ligne en descendant. Vas-y, tu peux descendre. Voilà. Continue, voilà. Tu vois, le flotteur, il ne va pas couler. D'accord. Voilà, et tu attends. Là, tu vas avoir plusieurs touches. Tu attends que ça rentre. Ça part vraiment.
bien dedans. Là, ça y est, touche. Voilà, hop. Ouh, c'est plus joli, ça. Oh, la sacoche qu'elle m'a mis, dis donc. Ouais. Ouf. Bah, tu vois, t'en as peut-être une jolie, là, c'est bien. Wow. Alors, n'aie pas peur de déboîter, parce que sinon... Je vais peut-être pas déboîter tout de suite, si. Si, 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 ça dérange pas. Elle va suivre. Je déboîte la première? Non, non, la deuxième. Vas-y doucement, ramenons doucement. Elle va te suivre, elle va te suivre. Et on penche bien la canne dans l'eau, de manière à ce qu'elle vienne bien au fond, voilà. Je déboîte là? Oui. Voilà, après tu mets bien ta main. Oh non, c'est pas si gros. Tu mets ton coude bien comme je t'ai dit tout à l'heure. Voilà, et puis voilà. Donc quand elle voit les puisettes, elle saut, mais ça c'est normal. Voilà. Hop. Première carpe avec les techniques modernes de pêche au fond. C'est marrant. Allez. Je vais poser là. Eh ben tu vois. Super. Voilà. Un beau poisson, une belle petite miroir. Bon, ce coup-ci, je vais mettre ma patte, on va se refaire la même. Je crois que j'ai moins la technique pour mettre la patte, mais je pense que ça va marcher quand même. Allez. Ah, c'est excellent. Il peut s'étendre sur long encore l'élastique là? Ah oui, oui, il peut aller au milieu du lac. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Mais si tu veux la ramener, ce qu'il faut faire, c'est baisser ta canne et ramener de l'élastique. Sinon, voilà. Mais ça doit être joli quand même, ça. Hein. Voilà. Mais quand tu ramènes, ramène doucement. Parce que tu ramènes. Ouais. Tu le sens. Ça de toute façon, j'accompagne aussi. Ouais, exactement. Avec la main, avec la bras. Ouais. Ah, c'est beau, c'est plus gros. C'est un peu plus gros, ouais. Ouais. Ouais, ça fait des beaux rushs, là. Ça va faire mal au bras, une 10 kilos à la fin. Ah, oui, oui, c'est sûr que oui. Oh, celle-là. Oh là là. Voilà, c'est ça. Celle-là était belle. Là, il y en a une qui est venue, là, juste au bord. J'aimerais bien faire une comme ça. Ouais, ça y est, regarde. Ouais. Le rush. Bon, on ramène déjà celle-là, et puis on verra l'autre après. Ah, ouais, ça me rend fou, ça. Ah, c'est pas énorme, énorme, mais c'est une bonne bagarre, là. Une bagarreuse. Hein. Oh, ça fait 3 kilos, hein. Oui! Elle y est. Regarde, elle fait presque 3 kilos. We'll be right back.
Allez, à l'eau. Alors, attends, moi ce que je te propose, c'est de le prendre délicatement sur le côté là. On va le prendre. Vas-y, mets là-dedans. Ouais. Bon, bah les gars, merci, c'était sympa. Hein. Bonne petite matinée. Michel, allez, merci encore. Merci beaucoup. Fred, Xavier, au top. Bah écoute, on essaye. À bientôt, puis, j'espère. Voilà. Pas de problème. Pas de problème. Et merci beaucoup. Ça marche, merci. Au revoir. Salut à vous. À bientôt. Bon, c'est la fin de cette édition Globe Fishing dans l'Ain. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé vraiment un excellent moment dans la région. Voilà, bon, je suis un petit peu déçu d'avoir notamment loupé ce gros ombre avec Tony, mais c'est comme ça, c'est la pêche. Hein. Et bah, j'aurais bien pêché la rivière d'Ain plus longtemps aussi, et également d'autres coins, mais bon, c'est comme ça, c'est le but des Globe Fishing, c'est pêcher en 2-3 heures, pas plus. Donc voilà, si on voulait du bloc, il aurait fallu pêcher plutôt 2-3 jours sur les mêmes secteurs. Mais c'est comme ça, je reviendrai en tout cas, et pour me venger. Et voilà, je vous dis à bientôt sur les routes de France. Ciao, salut.